la première fois que je présente mon projet devant un financier. C'est pas la première fois pour moi, parce que j'ai eu à rencontrer d'autres microfinances, comme je dis, où j'ai eu des prêts que j'ai remboursés. L'agent financier, il m'a vraiment donné beaucoup d'informations concernant mon activité et comment m'y prendre pour avoir un financement pour une activité qui apporte vraiment de la richesse au pays. Les échanges ont été instructifs dans la mesure où j'ai eu l'occasion d'avoir l'esprit ouvert sur un certain nombre de données, par exemple la cible clientèle. Le banquier m'a fait comprendre que le projet est très solide et surtout que le crédit que je demande n'est pas élevé. Je suis assez bien structuré et j'ai du matériel en stock pour pouvoir travailler. Donc je suis sur une bonne voie pour pouvoir aboutir à un financement. Vraiment, il m'a beaucoup conseillé sur mon projet. Comment y faire pour, si jamais il me finançait, comment y faire pour rembourser l'argent dont je vais emprunter. En tout cas, j'ai trouvé l'échange vraiment fructueux. C'était bien avec eux, on était sympa, on a eu à beaucoup échanger. En tout cas, ça nous a apporté beaucoup. Et les échanges avec les banquiers et la formation m'ont apporté beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses à travers cet échange-là. Donc, je peux avancer avec. La seule décision que je vais prendre, c'est d'abord d'être financé et mettre en application les conseils que m'ont donné les banquiers ce matin. Avec les plans d'affaires que nous avons fait, nous n'avons pas besoin de la totalité de la somme. Nous pouvons démarrer avec juste ce que nous aurons. Les sommes étaient élevées. Donc il fallait moins commencer plus petit pour progresser au fur et à mesure. Les échanges avec les banques, les structures, les banques m'ont donné, comme on le dit, une motivation pour aller en profondeur. Au sortir de cette rencontre, je suis très à l'aise de dire que j'irai jusqu'au bout, quels que soient les obstacles, je ferai tout pour atteindre l'objectif que je me suis assigné, de pouvoir être entrepreneur et avoir une entreprise et puis être demain une bénédiction pour d'autres amis qui seront en quête de travail. Promoteur que je suis, pour réussir dans mon activité, il faudrait que je débute et que je me fasse des contacts. Les banquiers veulent que nous soyons d'abord en activité pour pouvoir avoir un financement. Ma résolution, c'est d'approcher une institution financière auprès de laquelle j'irai ouvrir un compte bancaire pour être crédible aux yeux de ces institutions-là. Il faudrait que l'activité tourne. Pour que l'activité tourne aussi, il faudrait qu'il y ait un financement. Mais bien avant ça, nous allons chercher d'abord à pouvoir épargner dans cette banque-là. J'ai décidé de me donner à fond pour pouvoir mener à bien mon activité. Du fond de mon cœur, je souhaiterais être financé et être en activité. Mon attente, c'est que mon activité grandisse par un financement. Je vais tout faire pour mettre en œuvre mon projet, même si avec l'aide ou sans l'aide des banquiers, je peux y arriver.